Salut, c'est Boisdin! Je suis avec le chef! Pouce bleu. Et on va parler de Qui est I? Une BD de Kevin Tran au scénario et Fanny Antini ou Fa au dessin. Tout à fait. Bon, d'abord, c'est pas sorti récemment, c'est sorti il y a 2-3 mois. En octobre. Il y a 2-3 mois. C'est ça. Et on voulait pas en parler, on avait discuté en privé. C'est pas que je voulais pas en parler, c'est que je voulais pas l'acheter. Quoi? Ah oui, on me l'a pas envoyé. Moi, pour faire le manga, vous me le donnez gratuitement, sinon on m'en parle pas. Et ben moi, je l'ai acheté. Voilà, parce que le chef venait chez moi et je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion. L'occasion de faire un peu de vue sur ta chaîne de merde. C'est ça, hein, salaud. D'en parler, parce que c'est une BD faite par un youtubeur. C'est etc. un manga. Un manga. Ou une BD style manga, un manfra. Bon, c'est un manga, en fait. Ouais, mais ça marche parce qu'il est asiatique. Marque un point. Eh oui. Donc on va vous en parler, voilà. I'm a Superman. Déjà, chef, le pitch. Par où commencer? En fait, c'est l'histoire de deux frères, Qui et I, qui vivent des aventures sur l'île, dans le monde des couleurs, c'est ça? C'est ça. Donc il y a le village jaune, évidemment ils habitent dans le village jaune, parce qu'ils sont asiatiques, certainement il y a peut-être un lien, je sais pas. Il y a le village rouge, c'est le village où ils font du combat, de la bagarre. Le village bleu, je sais pas trop ce qu'ils font. C'est le village des guerriers, etc. Le village bleu, bah, c'est là où il y a la ville. C'est la science. Voilà, le savoir, la connaissance. Le progrès. L'île verte, c'est sans doute la nature. C'est la nature, l'agriculture. Déjà, ça prend des risques. Et le village jaune, t'as pas dit ce que c'était, le village jaune, c'est l'art, les arts, le divertissement, la culture. Voilà, et aussi on peut constater là, suspense, il y a deux îles qui n'ont pas été représentées, mais. Ah, peut-être au pif, je dirais qu'il y en a une qui est noire, une qui est blanche. Et je dirais que. Je sais pas. Tome 2. Il y a un tome 2 prévu. Après, il peut y avoir violet, hein, parce que noir et blanc, techniquement, c'est pas des couleurs. Oui, mais là, c'est en forme de panda. Amanda, oui, bon, si tu veux. Mais c'est sûrement pas son vrai nom, tu t'en doutes un peu. C'est en forme de panda. Un panda. Et voilà donc l'histoire. Bah, ils vivent des aventures. Je sais pas comment je pourrais être mieux de te résumer de ça, c'est... Parce que chaque chapitre est une petite histoire très peu liée aux autres. Est-ce qu'on peut parler de BD à sketch? Ouais, plutôt. Voilà, un peu dans l'esprit d'un Dr. Slump ou des histoires si, contes d'Akira Toriyama. Au final, toute la BD avance, c'est toujours les mêmes personnages qui vivent des aventures, et des fois, il y a des petits liens entre les chapitres, des fois, il y a des chapitres qui sont plus ou moins à suivre, mais parfois, pas du tout, parfois, c'est what the fuck, ça se finit comme un P, et pouf, on passe à autre chose. Genre, ils combattent des gens avec des espèces de stand, avec des invocations de leur signe astrologique, etc. C'est des stands. Ah oui, comme dans Jojo, tout à fait, voilà, et pouf, ça se finit, chapitre d'après, le régime de qui? Le régime de qui? Qui fait un régime? Ben ouais, mais qui? C'est drôle! Qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, je vais pas trop me lancer, parce que moi j'ai une carrière sur YouTube, c'est un peu chaud. Parlons du scénario. Alors le scénario, disons que, bon, c'est comme je disais, c'est de la BD à sketch. Il y a plein d'inspiration. Il y a une grosse inspiration Toriyama avec le soleil qui parle et tout, donc ça c'est sympathique. Mais après, faut aimer l'humour du rire jaune, j'ai envie de dire. Moi je l'aime bien en vidéo. Moi, faut être honnête, je regarde pas. Donc, Bah, moi j'aime bien le rire jaune en vidéo, voilà, je le dis. D'accord. Par contre, là ça fonctionne pas du tout. Bah, en fait. Et je pense que je ne suis pas, on n'est pas, le public visé. Voilà, je pense que c'est vraiment. Bon, on va parler des termes de manga, je pense que c'est du Kodomo, tu vois. C'est de la BD humoristique pour enfants. Mais c'est pas enfant 8-10 ans. Pour moi, ça serait plus 4-8 ans, tu vois. Ouais, mais à 4 ans, ils savent pas lire. Moi, je dirais, voilà, comme premier manga. Ouais, bah, c'est un truc que tu lis à tes enfants, à ton petit frère. À 7 ans, 8 ans, quand il vient d'apprendre à lire, là, c'est bon. Mais le problème, c'est que c'est pas ce public-là qui a été visé. Vu que des fois, il y a des bénins, il y a des blagues sur le réflexe. Moi, j'ai vu quelques gros mots. À un moment, il y a un personnage qui dit « je t'emmerde ». Et des fois, il y a du langage un peu soutenu qui apparaît d'un coup. Enfin, du coup, c'est très inégal. En soi, ce n'est pas un défaut de viser les enfants. Non. En soi, ça peut être très bien. Mais même pour un enfant, je suis désolé, c'est pas ouf. Je trouve aussi que c'est pas... C'est pas foufou. C'est de l'humour gentil, enfin comment dire. À mi-chemin entre la blague de Toto et la blague Carambar, niveau humour. Un truc intéressant, bon, c'est un peu obvious, mais il a essayé de retranscrire un peu son univers podcastique, on va dire, humoristique. Ouais, et il l'a mis dans un petit contexte méta, quoi. Ça parle pas de lui, mais c'est quand même lui. C'est un peu son avatar. Enfin, lui, eux, avec son frère. Eux et son frère, ouais, et son frère. Voilà, qui vivent des aventures imaginées. Il a pris l'effort, mais voilà. Vous comprenez, de faire ça dans un univers fictif qu'il a inventé, le royaume des couleurs, avec une espèce d'histoire
très simple. En fait, c'est ça qui fait un peu enfant, pour y revenir. Ouais. Le royaume des couleurs, déjà. Ça fait vraiment genre, apprends les couleurs avec les Teletubbies, tu vois ce que je veux dire? Voir l'épisode Teletubbies, po, c'est le rouge. Ah, casse-toi, putain. Mais fermez-la. Incohérence avec le royaume des couleurs. Ouais. C'est que la BD commence par un sketch où ils vont au dojo d'arts martiaux pour le petit frère de qui, donc I. C'est le frère de qui, alors, au final? Et ce dojo d'arts martiaux se situe dans le village jaune. Voilà. Alors que, justement, juste avant, on vient de nous expliquer, mais vraiment juste avant, du coup, que le royaume guerrier, c'était le royaume rouge. Du coup, je comprends pas pourquoi un dojo d'arts martiaux est dans le royaume jaune et pas dans le royaume rouge. Après, on va me dire arts martiaux, il y a arts, et tout à l'heure, on a dit, et ils expliquaient que le royaume jaune... Oui, mais dans martial, il y a guerre. Mais oui, mais voilà, c'est un style, c'est un truc de combat. Voilà. Mais c'était juste comme ça, pour souligner que pour moi... Réalité ou illusion? Qu'est-ce qu'on pourra rajouter au truc d'enfantin? Bah ouais, il y avait le côté un peu méta, un peu oui, je représente ma vie de moi et mon frère. Peut-être qu'il y a un petit truc cathartique. Bah il y a dans ce... Non, c'est plus que ça, il y a un chapitre où qui est dédié à un match de basketball. Voilà, alors qu'on sait que Kevin Tran est un passionné de basketball. Si, je pense qu'il se livre un peu dedans. Ensuite, il y a un chapitre sur son régime. Oui. Et d'ailleurs, c'est un chapitre assez osé. C'est un chapitre entièrement dont vous êtes le héros. Ou alors, voilà. On se met à la place de qui? Ou de Kevin, comme vous voulez. Du coup, on est qui, alors? Je vais la faire chaque fois, pardon. Et on essaye de prendre les bons choix avec lui pour faire son régime, ne pas craquer, etc. Donc c'était assez osé. Oui, par contre après les choix n'ont aucune incidence sur le chapitre suivant. Est-ce que tu l'as fait toi ce chapitre dont vous... Oui, mais en fait j'ai pas compris tout de suite. Du coup je disais tout, mais ça veut rien dire. Ah mais là c'est parce que t'es con. Oui, parce que je suis con, bah, donc j'ai relu après. Voilà. Par contre moi ça m'a saoulé, je l'ai fait sur 3 pages et après j'ai fait j'arrête. Tu veux dire que tu as riz jaune? Vivez ce sentier. J'avais dit que j'allais la faire. Voilà. C'est la seule blague qui était prévue dans tout ce BD vlog. Non, il y en a d'autres, mais on a dit que non, c'était chaud. Alors, un autre truc aussi, il y a un chapitre qui est sans dialogue. Donc, qui va nous permettre de rebondir sur le second point qu'on voulait aborder pour parler de cette œuvre. Le découpage, le manga, le découpage, le dessin, la narration, tout ça. Donc, dans ce chapitre, on met la narration en avant. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Et moi, j'ai pensé que c'était le meilleur chapitre. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait pas de bulles. Et dans le manga, les bulles, elles sont énormes. Oui, enfin, les bulles, non, sont correctes, c'est le texte. Les bulles, du coup, et voilà. Le texte qui sont dedans, surtout, sont énormes. Je pense que c'est du 17-18... Je pense que ça a été fait pour les malvoyants. Ou alors c'est peut-être pour les asiatiques. Mais je trouve que vraiment, ça gâche... Pardon. Et ça gâche le dessin. Non, parce que le dessin en lui-même, il faut bien l'avouer, on osera dire, il est un peu sans âme. Il est un peu générique. C'est du chibi. D'ailleurs, au début, toi et moi, on pensait que c'était en vectoriel, tellement c'était lisse et rond et sans âme et du chibi japonais tout pourri. Non, parce qu'il y a du chibi japonais, il y a du très bon chibi japonais. Ouais, classique. Du chibi éco plus, du chibi pas bien. Voilà. Du chibi, voilà. Mais comme on veut pas être méchant, on s'est renseigné, on a été voir le blog et le Facebook de Fa, voilà. L'illustratrice, et on a vu son style habituel, le genre d'illustration et même de bande dessinée qu'elle fait, et c'est trop bien. Bah oui, mais on reste sur du chibi manga un peu... Pas toujours, hein. Pas toujours. Mais il y a un style. Elle a son propre style, non, je suis désolé, elle a fait une illustration de Vaiana récemment, c'est pas du tout du chibi, etc. Non, mais il y a ce trait un peu rond, un peu oui, doux, bien tu vois, sûr. Il y a un vrai style. Et elle a un style... Et là, on le retrouve absolument pas. Voilà, et c'est dommage. Mais on le retrouve pas aussi, parce qu'on l'a vu aussi quelques planches de cette jeune artiste. Enfin, je sais pas quel âge elle a, mais elle doit être jeune. Oui. Et niveau découpage, niveau narration, c'était beaucoup plus élaboré que ce qu'on peut voir là-dedans. Moi, j'en ai remarqué un défaut qui est typique des amateurs, si tu veux, qui commencent un peu la BD, tu dois connaître un petit peu aussi. C'est que c'est 90% de plans de face. De plan de face et très peu aussi de contre-plongée, machin. Bah voilà, c'est du plan du plan large, plan rapproché. Mais ça c'est parce que face. Ça c'est parce que Kevin Tran a l'habitude des podcasts et des vidéos. Certainement, mais non, je pense que c'est... En fait, c'était une blague. Hein. Oui, c'était une blague, mais il fallait mieux la tourner. Il a cru que c'était un podcast. Et comment on en arrivait à un découpage comme ça avec une artiste aussi douée finalement, c'est un peu expliqué à la fin avec un petit making of. D'ailleurs la planche que je vous ai mis, je vais expliquer le making of, mais juste la planche que je vous ai mis, regardez les trames, regardez la couleur, enfin du coup c'est pas de la couleur, c'est des trames, cette maîtrise du noir et blanc des trames
Et bah, dans la BD, pas du tout. Les trames, c'est complètement what the fuck, c'est complètement aléatoire. Des fois, il y a plusieurs cases d'affilée où il n'y en a pas du tout. Et des fois, il y a une case où il y en a plein. C'est mis un peu aléatoirement et je comprends pas cette utilisation des trames. Peut-être qu'on peut expliquer un peu comment on utilise les trames habituellement. Parce que normalement les trames soit t'en mets un peu partout, genre, je sais pas, dans des mangas comme Gantz ou Last Man, tiens, qui s'en sert pour vraiment faire de l'ombrage comme ça, soit tu t'en sers avec parcimonie, mais tu t'en sers soit pour créer une texture, soit pour créer un effet de mise en scène. Il y a beaucoup de cases où il n'y a pas de fond, il voilà. n'y a pas de décor. Il n'y a pas de trame non plus, il n'y a rien. Et il y a juste le personnage de face, n'oublions pas, de face, qui parle. Et c'est blanc sur blanc. Et bah là, les trames, ça aurait été bien d'en mettre en fond ou sur le personnage, par exemple, pour détacher. Enfin voilà. Et il y a des fois, c'est ça. Et il y a des fois, c'est des ombres super marquées, etc. Et des fois, pas du tout, pendant plusieurs pages ou plusieurs cases d'affilée. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Mais revenons sur le making-of. Le making-of peut expliquer ce qui s'est passé avec le style de Fa. Dans le making-of, on voit que Kevin Tran lui envoie des planches que lui a dessinées. Donc c'est un storyboard, un croquis. Un imou. Voilà. Et par-dessus, elle refait la même chose. Bah, en se basant, quasiment pareil. Elle redessine en fait. En se basant sur le style de Kevin Tran. Et à la fin... Autre chose qui peut expliquer, il y a un chapitre entièrement dessiné par Kevin. Je sais pas si tu l'as. Ah non, ça m'a pas marqué. Mais si. Mais c'est parce que, en fait, voilà, et si t'as pas marqué quand tu l'as lu, c'est expliqué vite fait avant, voilà, il a dessiné un chapitre, c'est où, c'est là. Voilà. On voit quand même que c'est un peu moins bien dessiné, mais en fait, le style de Kevin ressemble exactement au style de Fa le reste du temps, en fait. D'accord. Donc je pense qu'ils ont vraiment dû discuter et réfléchir ensemble du chara-design. Et ils se sont basés sur ce que Kevin voulait lui. Mais le chara-design, c'est une chose. Le découpage, c'en est une autre. Oui. Et là, à ce moment-là, c'est là que moi, c'est le gros défaut principal que je retruque. C'est que, comme je disais, bah, y a énormément de plans de face. Mais tu sens que le mec qui a fait ça, Kevin Tran, c'est un mec qui adore les mangas, il l'a déjà dit plusieurs fois. Mais c'est parce que t'aimes les mangas que tu sais faire du manga ou de la BD en général. Et je pense que comme il travaillait avec une vraie dessinatrice, elle aurait dû apporter justement cet aspect créatif. Pour montrer comment on mettait en scène un manga, une BD, comment on rajoutait du dynamisme, parce qu'il y a des scènes de combat là-dedans, c'est pas dynamique, parce que c'est toujours sur le même plan. Donc en fait, Kevin aurait dû laisser un peu plus de liberté. Il n'aurait pas dû la brider. Et c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir un truc... Mais Fa, si jamais tu vois cette vidéo et que voilà, pour mais toi, même conseil, pour toi tu as été libre et tu trouves que ce qu'on dit c'est de la merde, mais nous on pense que tu n'as pas été assez libre et que Kevin t'a imposé peut-être trop de trucs. Voilà, je pense que t'aurais dû plus, je sais pas comment ça s'est passé, mais t'aurais peut-être dû plus dire non, Kevin, il faut faire des trucs plutôt comme ci, comme ça, pour apporter ta vraie patte, ton vrai. Parce que encore une fois, sur ton blog, on voit que putain, tu sais raconter une histoire et tu sais faire un découpage. Merde. Voilà, donc pourquoi on le retrouve pas là-dedans? C'est dommage, parce que c'est sûrement en plus ta première BD publiée. C'est un peu dommage qu'on ne voie pas l'étendue de ton talent. Par contre, ce qui est pas dommage pour vous, c'est les ventes. Oui. Je crois qu'on est presque à 100 000 ou au-dessus de 100 000. C'est ouf. Enfin, pour une BD, c'est ouf. Ouais, mais déjà en France, c'est ouf. Pour une première BD. Au Japon, c'est un flop, par contre. Hein. C'est ouf. Faut le dire. Non, mais très bien, tant mieux. On ne juge pas là-dessus. Hein. Vous en aurez vendu 1 000, ça aurait été pareil. Hein. Mais tant mieux. Mais j'espère que vous prendrez, si jamais vous voyez ces vidéos, ou vous me battez les couilles de toute façon, ça serait bien que dans le deuxième, qu'on lira avec attention, qu'il y ait cet effort de fait. Et même dans le découpage, je trouve que c'est bordélique. Alors, c'est peut-être l'effet comique et le fait que c'est des sketchs qui veut ça, mais des fois, il y a des trucs qui popent de n'importe où. Il y a des personnages qui apparaissent, on sait plus trop c'est qui, mais ou alors on les a jamais vus, ils se présentent en une bulle. Bah, on a du mal aussi à les situer dans l'espace, parce que c'est toujours le même plan. Oui, en plus. Et des fois, il y a des petites remarques un peu humoristiques, etc., qui viennent en plus s'ajouter aux bulles qui sont déjà grandes, avec des textes grands. Oui, mais là, je pense, je pense que c'est le dessinateur qui a pas fait, la dessinatrice, l'artiste, qui a pas fait son boulot. De metteur en espace, de metteur en scène, de raconteur d'histoire. Voilà, et c'est dommage, parce que bon, après, niveau humour, moi personnellement, ça m'a pas spécialement fait rire. Moi, il y a peut-être deux vannes qui m'ont fait marrer. En conclusion, on a pensé que c'était pas terrible. Voilà, pour être honnête, et là, ça va être peut-être méchant ce que je vais dire, je pense qu'il y aurait pas eu rire jaune marqué dessus, je pense que ça aurait pas passé la case édition. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans ma vidéo sur la BD de Cyprien. Ah non, Cyprien ou pas Cyprien, je pense que ça aurait passé l'édition. C'est pas ça que je voulais dire. Oui, vas-y. C'est pas ça que je voulais dire. Ou, comme Cyprien, il a pris un risque, c'est pas complètement une BD sur lui, un peu. Aussi, ça faudrait... Il y a une prise de risque, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que c'est eu autant de ventes, autant de succès pour ça.
et que beaucoup d'enfants et de gosses vont s'ouvrir à la bande dessinée et au manga, c'est un manga, vous comprenez, grâce à ça. Je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y, y aurait tellement mieux à lire comme premier manga, même à 7 ou 8 ans, que voilà. Mais après bon, il faut bien commencer quelque part. Mais d'un autre côté, c'est un bon point, parce que c'est une porte d'entrée. Voilà. Je laisse le chef conclure cette vidéo. J'ai envie de dire, oui, ça n'aurait pas été les réseaux, je pense que ça n'aurait pas été édité. Mais certains, je vois déjà les mauvaises langues venir, parce que j'ai l'habitude. Mais oui, vous critiquez parce que c'est les réseaux, vous êtes jaloux, tout ça. Non. Moi, je vais te dire le plus sincèrement du monde, il n'y aurait pas eu Rire Jaune marqué dessus, bah je l'aurais pas fini. Moi non plus. Voilà. Et déjà, je pense que je l'aurais pas lu. Ah bon? Bah, ce qui nous a poussé à faire cette vidéo, on l'a dit au début, c'est le fait que c'est énormément de succès. Voilà, donc. Et voilà. Faut l'expliquer. Et Mais ça aurait pu être n'importe qui aurait fait ça, j'aurais dit pareil. Mais je l'aurais pas fini, tu vois. Franchement, je serais pas allé au bout. Parce que bah, l'humour me parle pas, mais bon, après, ça c'est moi. Je pense que t'en aurais parlé dans une lecture du chef, imagine, on te l'aurait envoyé. Et t'aurais juste dit, ça, on me l'a envoyé, voilà, j'ai lu deux chapitres, c'était. Voilà. Merci, voilà. On passe à autre chose. C'est justement pour ne pas avoir d'a priori sur cette BD qu'on a fait l'effort de la lire avec attention. Et qu'on en a fait une critique plutôt complète, je dirais. En expliquant pourquoi des trucs n'allaient pas, notamment sur le découpage. On a essayé. On a essayé. J'espère que ça vous a convaincu. Mais ils ont essayé aussi. Ils ont réussi, hein. Ils ont réussi. Moi, il n'y a pas à chier. Ils ont réussi, mais. Enfin, niveau vente, ils ont réussi. Artistiquement, j'en veux pas à Kevin Tran, tu vois. Je veux pas lui dire. Voilà. Moi, j'en veux vraiment. J'ai envie de dire peut-être à l'éditeur, peut-être à la dessinatrice, de pas avoir imposé des choix artistiques plus. Mais on sait pas. Plus pertinent. On sait pas réellement comment ça s'est passé. On sait pas comment ça s'est passé, malheureusement. Et on aimerait bien savoir. Voilà. Est-ce que c'est juste un travail de commande? Est-ce que ça a été créé de manière collégiale? Est-ce que c'est lui qui a proposé la BD à quelqu'un ou qu'on lui a proposé de faire une BD, je sais pas. Mais dans tous les cas, le résultat reste le même. Alors sur son blog, il y a un petit strip sur le blog de Fat qui explique un peu comment ça s'est passé. Elle a fait un fanart en 2015 de Rire Jaune. Ouais. Qui devait d'ailleurs être très beau, je vais essayer de le retrouver et de vous le mettre. Puis direct après, Kevin Tran lui a répondu sur Facebook en mode c'est ouf, c'est génial, ou sur Twitter, je sais plus comment ça s'est passé. Et il lui a demandé, j'ai un projet, donc après ça vient de lui. D'accord. J'ai un projet, est-ce que je peux t'appeler? Et puis là, la meuf, comme elle était fan, du coup, elle était folle et machin, elle a dit oui tout de suite. Et ça a mis 15 mois, enfin vraiment de ce moment-là à l'édition, ça a mis 15 mois à sortir. Bah c'est dommage parce que, j'ai petit conseil, Fanny, si tu nous regardes, essaye d'imposer un peu plus ton style. Parce que je sens que tu savais qu'il y avait des planches qui allaient pas, je pense. Je pense que tu savais et que t'as pas osé le dire. Et que l'éditeur a pas voulu le dire non plus. Kevin, si tu m'écoutes, je t'aime bien, laisse plus de place. À la dessinatrice, s'il te plaît. Je pense que ça ferait du bien à ton manga. En tout cas, cette vidéo. En tout cas, cette vidéo beaucoup trop longue est terminée. Voilà, on arrête. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager et manger des frites. Merci, chef. Voilà, mais vous pouvez aussi acheter ma BD. Parce que moi, j'en ai pas vendu autant que lui, parce que j'ai pas d'éditeur. Quand on y